Allô, allô, oui, ça marche. J'ai le son. Ah, ça m'a l'air génial, cette bande son incroyable de Super Punch Out. Pas du tout répétitif, c'est pas énervant du tout. Ça tombe bien puisque on va l'entendre pas mal étant donné que ça va être le jeu auquel on va jouer. Et un stream un petit peu particulier ce soir pour deux raisons. Première chose, c'est que je suis tout seul. Shin, il a dit qu'il avait piscine, donc du coup il pouvait pas venir, mais il sera de retour, vous en faites pas, mardi. Et aussi pour une seconde raison, c'est qu'aujourd'hui on va pas jouer des jeux d'arcade. On va jouer à des jeux sur console. Alors dans l'esprit couvertin, c'est un petit peu bizarre, mais alors soit ça va être des jeux qui vont avoir un feeling plutôt arcade, soit ça va être des jeux que vous allez pouvoir jouer avec des copains pour vous en mettre plein la gueule et pour les faire rager. Donc on va pas jouer à Super Mario Kart sur Super Nintendo parce que c'est un petit peu trop mainstream. Mais à mon avis, je vais vous trouver des jeux qui vont être bien sympas à jouer. On va commencer par Super Punch Out, où là ça va être plutôt le fil arcade qui va compter. Et on va fumer des connards à coup de gants de boxe. Bon, déjà un bonjour à tous, hein. N'hésitez pas à vous faire un petit compte sur le chat si vous voulez discuter avec moi pour que je me sente un tout petit peu moins seul. Et c'est parti. Alors oui, hein, petite nouveauté également, on joue à de la Super Nintendo. Jusque là on avait joué soit à de l'arcade, soit à de la Mega Drive. Et je me plante dans mon pseudo, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été trop habitué à au jeu Barbie où je m'étais appelé Woody avec un E. Je vais quand même regarder les button settings. Right punch, left punch, ok tout va bien, knockout punch, ok, power up, auto, manuel, je ne sais pas comment ça marche, bon, c'est pas grave. Allons-y. Alors je sais pas si vous connaissez Punch Out, hein, un jeu assez intéressant qui a été sorti sur NES à l'époque. Alors lui il veut que je laisse gagner parce qu'il a perdu tellement de matchs, 99 défaites contre une victoire, c'est un petit peu le Glass Joe de la Super Nintendo. Hein. Et il voudrait savoir qu'est-ce que ça fait de gagner. Donc à savoir qu'il a quand même une victoire, donc en gros, la personne qui a perdu contre ce gars-là est vraiment la pire des loses. Donc j'espère que je vais pas me faire défoncer. 56 ans, forcément c'est un français. Donc voilà, c'est un petit peu la version stylée, avec des jolis graphismes du Punch-Out qui était sorti sur NES. Et en gros, là je vais lui mettre un petit peu sa race, parce que de toute façon, c'est soit il se défend pas, soit il essaie pas d'attaquer. Voilà, on se fait chier. Alors là, il me disait de faire... de reprendre mon souffle, mais je vais lui mettre... J'aimerais bien lui mettre une petite super, que vous voyez ce que ça donne. Bon, ça sera peut-être un peu plus intéressant tout à l'heure. Voilà. Un combat passionnant. Eh, il est en train de me... Comment ça, il est en train de me troller, là? Et il m'a mis une... Il m'a bourré ma gueule. Mais ta mère! Non mais... Ah ouais mais attends, je vais me faire knock-out par ce connard là en fait. Allez vas-y, bye bye. Donc le gameplay hein, il est pas très compliqué, t'appuies sur haut pour taper en haut, t'appuies pas en haut pour taper au milieu, et après tu peux appuyer sur bas pour te reculer et te protéger, et tu peux appuyer sur les côtés pour esquiver. Voilà, c'est tout con. Mais c'est un petit peu con parce qu'en fait l'OST qu'on était en train d'écouter est fortement plus intéressante que celle qu'on avait tout à l'heure. Ah ouais, j'ai pris la max. Mort, toi tu vas tellement prendre cher dans ta gueule, voilà, au revoir. TKO. Alors je conseille à tous ceux que ça intéresse le dernier album de Starbomb. Pourquoi j'en parle? Parce que dans le dernier album de Starbomb, il y a une chanson sur Punch-Out, précisément sur le premier Punch-Out qui était sorti sur NES, elle est très marrante. Ça raconte l'histoire de Glass Joe qui se fait entraîner par l'entraîneur de Little Mac, le héros de Punch-Out que je suis en train de jouer, et qui veut absolument se battre contre Sandman mais qui se fait démonter la race, et c'est très très drôle. Évidemment, premier album de Starbomb qui est quand même assez excellent. Ah oui, je peux pas la taper au ventre lui. Bah non. Eh hey, mais ta mère! Il se fout de ma gueule là. Alors attends, faut que je trouve le pattern en fait.
Allez, boum! Bon, en fait, ouais, le principe du jeu, c'est surtout de trouver le pattern, en fait. Là, en gros, j'attends qu'il fasse son attaque de merde, là, et après... J'en mets plein sa gueule! Bien sûr, dites-le moi s'il y a un problème au niveau du son, au niveau du framerate, au niveau de tout ce que vous voulez. Eh mais... Eh mais... Pris le max. Oh, je sais pas du tout si ça sert à quoi que ce soit que je mâche tous les boutons quand il me défonce. Allez... Hop là. Et bye bye. J'ai pas encore trop compris comment fonctionne la super. Ouais, ça c'était gratos, c'est dans ta gueule. Oh, il essaie même plus de se protéger. Allez, allez, hop. Bim, 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 bim. Au revoir. Allez, boum! Je crois que j'ai compris comment fonctionne la super. En plus, je m'étais dit que c'était intéressant de jouer un jeu de sport enfin dans l'esprit coubertin, parce que l'esprit coubertin, c'est aussi le sport. Alors je vais faire attention parce que je crois que le stream a frisé de mon côté. Bim! Bim! Alors je suis un petit peu en train de regarder mon retour là pour savoir en fait si le stream n'a pas frisé. Et en même temps je suis en train de lui mettre la max. Normal. Ouah ! Allez, boum ! Alors, est-ce que quelqu'un de très gentil pourrait m'annoncer si le stream est fluide de votre côté? Parce que je vois que chez moi, ça cut un peu. Ah, mais... Oh là là! Je suis en train de prendre tellement cher. Bon, bah c'est GG. J'ai mouru. Est-ce que tu ne sais pas quand abandonner? Bah non, justement, je remonte sur le ring pour te mettre la max, bâtard. Alors, je vais mettre juste un tout petit message sur le chat vite fait. Et on est reparti. Allez, boum, boum. Alors, on me dit que ça déconne, alors je vais répondre vite fait.
Parce que je pense que c'est un problème avec Twitch, puisque moi, je n'ai pas changé les settings depuis la dernière fois. Voir s'il n'y a pas un changement particulier que je puisse faire pour améliorer la situation. Voilà, j'ai fait un petit modif. On va faire un petit contrôle F5 pour être sûr d'avoir un joli reload, contrôler que j'ai pas des programmes de merde qui traînent. Non. On va y arriver, il n'y a pas de raison. À se faire un truc aussi éventuellement. Boum, au revoir. Let's go. Ah, forcément, j'ai repris la max. Il profite que je suis occupé à mettre le stream en ordre. Ah oui, mais je me fais largement défoncer, hein. Ah, mais je crois que j'ai trouvé le truc. Faut alterner les coups hauts et les coups bas avec lui. Fous-moi la paix! Dès qu'il se relève, ça y est, ça devient un super saiyan le mec, quoi. Alors faut peut-être le laisser se fatiguer. Ouais, il a pas l'air de vouloir se fatiguer en fait. Mais meurs! Bon, on va réussir à se le faire, vous en faites pas. Allez! Allez, on alterne. Il bloque, on lui met la max en bas. Il bloque, on lui met la max en haut. C'est parti. Vas-y, mais je vais appuyer pour. Ouais, mais quand il part en frénésie comme ça, je sais pas quoi faire. Ah, je crois qu'il se calme à partir d'un moment. Bah enfin. Alors faut que je lui monte mon footwork. C'est-à-dire qu'il faut que je l'enchaîne. Ah bah c'est mal barré déjà. À chaque fois je me fais avoir par le même coup. Ah en fait dès que j'ai réussi à lui en mettre une, je peux continuer de l'enchaîner apparemment. Bim, bim, bim. Ah merde, j'ai pas ma super. Oh voilà. On va y arriver, apparemment je peux recommencer autant que je veux.
Allez go, on va y arriver. Alors j'aimerais qu'il soit fatigué, que je puisse lui mettre une... Ah bah voilà, mais j'ai perdu ma super... Ah! Je m'en rends pas! Ou sinon faut que je... Mon pute gueule! Mange ça en ta face! Allez boum! Apparemment là il me faut du footwork. Allez boum! Bon par contre j'arrête quand il veut hein. Allez fatigue-toi, amuse-toi. À mon tour là. Bon voilà. One, two, three, bon, on me dit que ça bug toujours, donc bah on va laisser tourner et dire que c'est Twitch qui déconne. Dans tous les cas, moi je sais que la VOD sera propre. Et puis bah on verra. Hein. Voilà, chaque fois il me met la max. Je vais quand même tenter autre chose, on verra. Hein. Alors voyons voir. Donc ça j'y touche pas. Puis je vais mettre un petit 700 et on verra. Hein. Pas vraiment trop le choix. Bien sûr, n'hésitez pas à nous communiquer ce genre de choses. Histoire qu'on puisse vous préparer un stream de qualité, que vous puissiez suivre du début à la fin sans interruption. Eh mais j'ai game over en fait, en vérité. Bon, je vais essayer de comprendre un petit peu mieux le jeu. C'est parti. Si je fais continue... Qu'est-ce que ça donne? Bon, ok, je repars au début, c'est pas grave. Allez, bon, bah toi, je te fume, vite. Mais c'est pas de me mettre des coups, toi. T'es pas un vrai boxeur. Allez, boum. Eh, mais il se heal, ce salaud. Oh mais lui, il a un seul coup, il essaie de me le mettre, mais qu'est-ce que tu fous? Bim! Ah bah en plus, je vois que Twitch essaie même de vous mettre des pubs, alors que le service est dégueulasse. Et ça, c'est pas cool. Allez hop, bye bye.
Allez, on change de rythme et au revoir. Eh bien ouais, facile. Je suis en train de contrôler le stream en même temps et constater ces petits blocages que je ne comprends pas car ça me semble très propre hein, jusque-là. Vas-y, 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 tente, vas-y, tente, vas-y, tente, vas-y, vas-y. Allez, attaque-moi. Ouais, vas-y, c'est bon, je t'ai tapé là. Eh. Mais eh. Voilà, boum. Allez, boum. Bim. Mais je t'aime pas, t'es nul. Depuis quand on a le droit à la popo à la box, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Et bye bye. Papa la papa. Mais. Allez, mange. Mais j'ai pas fait exprès. Allez, mais meurs. Ah, t'as peur, hein. Bim. Bon, ça me dérange un petit peu que ça cut comme ça, donc je vais tenter un petit truc et je reviens dans 2 minutes, bougez pas.